You hear me, please? Do you hear me? Do you hear me? Yes, sir. Okay, thank you. So I think before starting, just some make some summary about what we have seen last week. I think the can someone tell us what would be the mission of the building service engineer? What are the missions of the building service engineer? Okay, I'm waiting. Can someone tell us, please? The missions. Are design to design what? To design what? To design what, please? Air conditioning. Systems, all right, lighting systems as well, drainage systems, firefighting. Systems as well, all right, and so on. Ventilation systems, next, electrical, systems, okay, and so on. Heating systems as well. And so on. So, for all these systems, we should design them and we should know what are the components of all these systems, all right? And we should be starting with the air conditioning. We're starting with air conditioning to know what are air conditioning systems, okay? Can someone read for us? Starting air conditioning systems, the definitions, the process, related articles on designing buildings, and external references. Okay? I get. Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. Can you read for us the lecture, what you have got on the screen? Starting from air conditioning definitions and so on, right? Definition of air conditioning systems. Starting from here, please. Use of the term air conditioning. Yes, from here, yes. Use of the term of, yes. Use of the term air conditioning, AC, can be confusing. In some of the Okay. strictest definition, air conditioning is used to describe system that control the moisture Yes, content content. of air, that is its humidity. This Yes. can include humidification and dehumidification. Humidity control can be important for the comfort of building occupants to Yes. reduce the incidence of condensation. Yes. Both surface and Interstitial. interstitial. Yes. For specialist Yes. Oh, yes. environments such as swimming pool and where the protection of sensitive items requires particular conditions. Okay, thank you. Could you explain to us what does that mean? What you have read just now. Use of term
air conditioning, it can be confusing. What does that mean? L'utilisation du terme air conditionné peut être Oui. confus. Il peut y avoir une confusion. Peut prêter à confusion. Peut prêter Confusion, à, d'accord, voilà. peut prêter à confusion. D'accord? Et pourquoi elle peut prêter à confusion? C'est parce que Certaines définitions, voilà, yes, l'air because there's, conditionné. yes, okay, carry on, in some of the strictest definitions, yes, okay, Dans certaines définitions, l'air conditionné peut oui, yes, le conditionnement d'air, describe, yes, what? le conditionnement d'air est utilisé. Pour décrire le Yes, I get. système qui Oui, contrôle la moisissure. qui contrôle. Le Ce n'est pas la moisture moisissure. contact, Moisture voilà. content, et c'est l'humidité. C'est, disons, c'est l'humidité. D'accord? Ah, ok. Moisture, c'est l'humidité. D'accord? Dans C'est la teneur. Moisture, c'est la teneur. C'est la teneur en eau, en fait. C'est la définition voilà. exacte. On va le voir Okay. parler. C'est la teneur en eau. D'accord? Donc la teneur en Moisture normale. content. OK? Voilà. La teneur en eau de l'air, that is, it's, L'humidité, c'est c'est l'humidité. son humidité. Donc, moisture content, c'est la, disons, la, disons, le, comment disons, la contenance en air. Donc, en eau, c'est quoi? C'est l'humidité de l'air. Yes, is this, okay, carry on. Elle inclut l'humidification et la déhumidification. En fait, le process, donc, en fait, de contrôle l'humidité, c'est quoi? Donc, c'est l'humidification et la déshumidification. Okay? Ok. Carry on, please. L'humidité peut être importante pour le confort. Le contrôle d'humidité, le humidity control, le contrôle de Le l'humidité peut être contrôle de important. l'humidité peut Le être contrôle de l'humidité peut être important. pour le confort des occupants Oui. de building, de la structure, Disons les du occupants, tout bâtiment. simplement, des bâtiments, bien Voilà. sûr, des bâtiments, d'accord? Pour le confort des occupants du bâtiment. OK? Pour réduire l'incidence de la Oui. condensation de l'humidité. OK. Oui, donc, elle a deux rôles. C'est pour avoir, disons, pour le confort des occupants et aussi pour la réduction de l'incidence de la condensation. D'accord? To reduce the incidence of condensation on both surface and interstitial. Right? What So, mean donc la interstitial? condensation, donc c'est pour déduire both surface and interstitial. Qu'est-ce que ça veut dire en surface? Condensation, c'est Ah, quoi? surface, Qu'est-ce que c'est que la condensation? la condensation, condenser. Donc en fait, c'est condensé, c'est quoi? C'est l'eau qui se condense. Je vous prends un exemple très simple. Donc dans votre salle de bain, lorsqu'il fait très froid dehors, et en ce moment bien sûr, si vous voyez un petit peu toute cette eau qui se dépose sur les vitrages ou sur les surfaces, n'est-ce pas? Parce que vous avez de l'air qui est très humide. Donc, ce qu'on appelle la condensation. Donc, c'est soit sur les surfaces, donc vous le voyez, c'est à l'extérieur, interstitiel, c'est à l'intérieur de votre paroi. D'accord? OK? Is that right? Is that understood? Yes. C'est compris? OK, carry on, please. Pour les spécialistes de l'environnement Oui. et aux Non, navires. c'est pas spécial de l'environnement, c'est pour les environnements spéciaux. Ah. Special environments, d'accord? We didn't say specialist environment, d'accord? We say specialist environments, c'est des choses différentes, ok? Donc c'est pour les environnements spéciaux, pour les applications Swimming pool, spéciales. Such as, c'est yes. swimming pool, la C'est les piscine. piscines. Piscines, c'est exact. C'est les piscines. Hein? And. And where the protection ou la protection of sensitive protection of sensitive Et secure particle. où la protection des éléments très sensibles Demande nécessite nécessite ou bien particulièrement. demande des conditions particulières. D'accord? Des conditions particulières. Thank you very much, Agathe. Welcome, sir. Next, please. Who is going to read for us? Who is willing to read, please? I can do it, sir. Okay, who is you? Who are you? Madame Belkacem. Okay, Belkacem, okay.
However, However, dehumidification of air is generally achieved by cooling. As the temperature of air falls, it is less able to hold moisture, yes. That is the saturation water vapor, density falls, and so relative humidity rises when relative humidity reach 100%. Reaches 100%, the air will saturate. This is described as the dew point. If the air continues Deep cool, point, yes. Yes. Moisture will begin condense, Condense. Dehumidifying the air. All right. Okay, thank you. Could you explain to us, translate for us this paragraph, please? Yeah, of course. However, dehumidification of air is generally achieved by cooling. La déshumidification de l'air est généralement faite par une injection d'air chaud. Obtenue et faite, yes. Voilà, elle est obtenue avec une injection d'air froid. No, it's not. It's by cooling. It's by just by bon, refroidissant, d'accord? By cooling is par refroidissement. C'est par refroidissement, by cooling. D'accord. As the temperature of air falls, donc il y aura une chute de température. Yes. It is less able to hold more moisture. Okay. Stop. That's okay. Okay. As the temperature of air falls, it is less able to hold moisture. Okay. Yeah. It is less able to hold moisture. So, donc, la moisissure... C'est pas la moisissure, c'est la contenance en eau, d'accord? D'accord? C'est la contenance, donc, en fait, en eau. Moisture, c'est de la vapeur d'eau, en fait, d'accord? D'accord. As the temperature... Yes, at the temperature of air falls, it is less able to hold moisture. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en fait, lorsque la température de l'air baisse, elle diminue, l'air est incapable, disons, d'avoir une certaine quantité d'eau à l'intérieur. Donc, il ne peut pas, si vous voulez, avoir une grande quantité d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? That is? Yes? Saturation. That is? Yes? D'accord, ça? Yeah. That is saturation. Okay, carry on. Saturation, yes. Density falls. Qu'est-ce que ça veut dire? La saturation yes. de la densité va diminuer. Donc en fait, c'est le degré de saturation. C'est le degré de saturation qui va diminuer, d'accord? Ouais. And so, relative humidity rises. When relative humidity rises, reaches 100%. Lorsque l'humidité relative augmente, d'accord? Vous avez par exemple, disons, la densité, donc la saturation de l'air qui, disons, diminue, l'humidité relative augmente. Relative humidity rises, okay? Yes. Okay, carry on. The air will be saturated. L'air sera saturé. Oui. This is described as the dew point. Oh, yes. What is dew point, please? I don't know what the dew is. C'est ce qu'on appelle le point de rosée. Le point de rosée de l'air. Le point de rosée de l'air, d'accord? C'est ce qu'on appelle le point de rosée, d'accord? Ce qu'on appelle le point de rosée, d'accord? C'est ce qu'on appelle le point de rosée de l'air, ok? Dew point, c'est le point de rosée de l'air, ok? If the air continues to cool, moisture will begin. Moisture will begin to condense. Yes. So, si l'air continue de refroidir. Oui. La teneur en eau
L'eau, la vapeur d'eau, la vapeur d'eau, donc la vapeur d'eau, La oui, vapeur d'eau sera condensée. se commence à se condenser, commence à se condenser, d'accord? Voilà. Ok. Dès je me suis rien dit Et hier. donc si la vapeur d'eau se condense, c'est-à-dire que l'air se déshumidifie, d'accord? I'll explain to you the process of dehumidifying the air, right? Look, we have got normally what we call the cyclometric chart, all right? We have got normally a cyclometric chart which explains how the air is cooled, right? The cyclometric chart, we have got here what we call temperature, okay? Here temperature, the axis of temperature, and here the axis of moisture content, okay? Moisture content, that is temperature, okay? And here what we have got is the saturation line. Saturation line. And here we have got the line of relative humidity, right? Relative humidity, relative humidity. Okay? And if you look at this, may if you have got, a state one of the air, state one of the air, which might be, for example, TS about 22 degrees, right, centigrade, and the absolute humidity, which is called HA, which might be 7 gram per kilogram of dry air. This is, look, I've got 7 here, right? And for example, we have got 22 degrees C. Okay? So we can, from this chart, we can, define what we call the dew point. If we, draw a line like this, horizontal line, until the intersection with the saturation line of the horizontal line, and then we drop, this point here called A, we have got here what you call the TR, which is the temperature of dew point, the temperature dew point rose, d'accord? And which means that if you cool the air beyond this temperature, the moisture content start to condensate. And then what we have, the moisture content will falls, All right? Is that clear for you? Is that clear? Is that clear, please? Yes. Thank you. Next, please. Who is going to start to read for us? This means, Monsieur. yes, who are you, please? El Mahdi. C'est Non, ça? Yes. Okay. Bakir? Bakir? Oui. Ok, Bakir, ok. This means that humidity control and cooling are often And cooling. cooling are often considered together as Are often considered. considered to together are as air conditioner Yes. cooling. Yes, cooling and dehumidification. Yes. The humidity are contributor to thermal comfort. This is because the ability to perspire air and so to lose heat by evaporation from the skin is limited by Is the limited humidity. is limited is Is limited by by the humidity of the of the air. the air. The air. Thank you. Okay, so translate for us what you read right now. This means, yes. L'humidité contrôle That means that refroidissement et yes. le sens de Pardon? l'humidité, c'est ça? Pardon? Ça veut dire Le quoi? sens. Donc, ça veut dire quoi? Que le contrôle de l'humidité, le contrôle de Refroidissement. l'humidité et le refroidissement
sont La pauvreté. souvent pris en Très bien. compte ensemble, sont considérés ensemble, d'accord? Oui, monsieur. Ok. D'accord? Comme une Donc, climatisation. voilà. Donc, en fait, ça veut dire qu'ils sont ensemble pour définir le terme de conditionnement d'air, air Climatisation, oui. conditioning. D'accord? Ok. Then, cooling. Le refroidissement et la déshumidification. Yes. Contribue d'une manière importante Yes. Pour au confort thermique, c'est ça. le confort thermique. Donc, ils contribuent de façon assez importante dans le confort thermique. OK? Yes. This is because. Parce que la capacité de transpirer, Yes. D'accord. transpirer and to lose, donc et prendre de la chaleur pour évaporation de Donc, l'air. c'est perdre de la chaleur, d'accord? C'est perdre de la chaleur par évaporation. D'accord? J'ai pas entendu. Alors, this is because the ability to perspire, donc c'est l'habilité donc de transpirer, Oui. and so to lose heat, c'est perdre de la chaleur, d'accord? Oui. To lose heat de par évaporation à partir de la peau, donc de notre peau, is limited. C'est limité par l'humidité de Bah, l'air. ouais, il est limité donc par l'humidité de l'air, tout simplement. D'accord. En fait, qu'est-ce que ça veut dire tout ce paragraphe? C'est qu'en fait, le terme conditionnement d'air, on doit, si vous voulez, contrôler donc le rafraîchissement, donc le refroidissement, comme vous dites, et disons l'humidité de l'air. D'accord. Donc, le refroidissement, le rafraîchissement et la déshumidification sont importants, sont des facteurs importants dans le confort thermique des occupants. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsqu'on a chaud, qu'est-ce qu'on fait? On transpire, tout simplement, d'accord? Et le fait de transpirer, qu'est-ce qu'on fait? On perd de la chaleur, disons, du corps. C'est comme ça qu'on, disons, naturellement, on conditionne notre corps, d'accord? OK, next, please. Thank you very Monsieur, much. Okay. monsieur. Yeah. Yes, Mohamed. Yaouz, Mohamed? Mohamed Mohamed Lhadj. Hajj. Allez, carry on, OK. Yes. As a result, the molecule is dependent on both temperature and humidity, as Yes. well as a number of of other factors. C, Okay. thermal Comfort. comfort for more information. Yes. A combination of reduced air temperature, Off-reduced, off-reduced. reduced air temperature and reduced humidity help people to remain cold. Cool, to remain cool. OK, to remain Merci. cool. OK, then the cooling. OK, carry on, Mohamed Al-Hajj. The cooling. The cooling of air alone often Often, 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 not often. Yes. has often displayed as Described. described as air conditional Air heat is conditioning, more air conditioning. Slowly, go slowly, slowly, please. Okay, don't hurry, don't rush. air conditional is more quality referred to as comfort cooling. Comfort. However, because it cools the air, It comfort cools. It cools the air. It cools the air. it cools the air. Comfort cooling may allows include sound May include may include some incident. incidental Incidental dehumidity. dehumidification. Thank you. Okay. Now then, translate to us what you have read right now. As a result, As a result, remaining cold. Par conséquent, yes. l'industrie, elle dépend à la fois de la température et l'humidité. Donc, en fait, comment dire, le refroidissement dépend de la température et de l'humidité. Donc, rafraîchir de l'air, refroidir de l'air, ce n'est pas uniquement la température. Il dépend de l'humidité et de la température. OK? Et bien sûr, yes, as well as a number. Certains nombres Other, c'est d'autres facteurs, d'accord?
facteurs, d'accord. d'autres facteurs. Donc, en fait, see thermal comfort from information. We are going to define what is the thermal comfort when we are study to air conditioning system, right? So, D'accord, d'autres facteurs, voire le confort thermique. voilà, donc, voilà, disons le chapitre confort thermique, d'accord? D'accord, pour plus Alright. d'informations, pour Yeah, plus voilà. d'informations. Voilà, exact. A combination. D'accord, donc il s'agit d'une combinaison de température de l'air qui réduit Donc, l'humidité. voilà. Donc, en fait, c'est la combinaison de la réduction de l'air et de son humidité. D'accord? Yes? D'accord, oui. Donc, ça, donc c'est la réduction de la température de l'air et l'humidité de l'air qui fait que les gens restent comment? Restent Reste en bien frais. cool. Yes. Oui. Donc, voilà. Donc, ils ressentent une certaine fraîcheur. Restent frais, si vous voulez. D'accord? OK? D'accord. OK. The next, then, the cooling. Yes? The Of air alone. Yes? Donc, le refroidissement de l'air, Seul. de Alone, c'est seul. l'inconfort. Le refroidissement de l'air seul. Le cooling of air alone. Donc, le refroidissement, le rafraîchissement de l'air seul. Yes? Comme si c'est la climatisation, donc on peut Often described l'appeler. as air conditioning is more correctly referred as cooling, comfort cooling. Donc, en fait, le fait de refroidir, donc, le refroidissement de l'air seul, qui est généralement décrit comme conditionnement d'air, mais c'est faux, parce que le conditionnement d'air, c'est la température et l'humidité. Donc, cette fois-ci, lorsque vous dites, vous refroidissez, donc, c'est, donc, le nom exact, c'est, disons, le comfort cooling. Donc, en fait, c'est le confort, c'est de quoi c'est? C'est le rafraîchissement. D'accord? C'est le rafraîchissement uniquement. D'accord? Vous n'avez pas besoin de air, vous ne pouvez pas utiliser le air conditioning system. D'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous D'accord. plaît? Oui, monsieur. Okay. Encore, continue. However, D'accord. Cependant, yes, comme il refroidit l'air, le refroidissement de confort comme aussi l'air est comporte refroidi, une... comme l'air est refroidi, d'accord? D'accord. Le D'accord, donc, refroidissement de confort. oui, yes, may include, Il peut inclure peut avoir, peut avoir, exactement, il peut peut avoir avoir une déshumidification incidente. D'accord? d'accord. Une déshumidification incidente. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, même si Mauvaise vous... Yes. mise. Sorry? Est-ce que vous avez des rats de l'effet? C'est un phénomène. C'est un film... Of... Sorry, what did you say? C'est un phénomène. Non, lorsque vous refroidissez de l'air, automatiquement, la température de l'air baisse. Mais il peut y avoir, si vous voulez, une déshumidification sans que vous ne vouliez avoir cette déshumidification. Donc, vous pouvez avoir une déshumidification incidente sans vous le vouloir. D'accord? C'est parce que la D'accord. température de l'air baisse. OK? D'accord. OK. Carry on, other definitions. OK? D'autres définitions de Yes? la climatisation. Du conditionnement d'air. D'accord. Ils décrivent comme le processus de conditionnement. Oui, of conditioning supply air, OK? Donc, en fait, d'autres définitions pour le conditionnement, c'est quoi? C'est, par exemple, c'est quoi? The process of conditioning supply air. Processus. C'est de préparer l'air soufflé ou, donc ça, c'est l'air soufflé. Donc, process of supply, supply, c'est souffler. Donc, pour, disons, souffler l'air, d'accord? Ou, disons, disons l'air dans où? Alors, to what? Regulate Regulate its humidity, regulate its quality through filtration, and regulate its temperature. Donc, le conditionnement d'air, c'est quoi? Le conditionnement d'air, c'est quoi? C'est souffler de l'air préparé, donc l'air soufflé, d'accord? Pour contrôler, donc pour la régulation de son humidité, pour contrôler son humidité, d'accord? Réguler la qualité, donc en fait, contrôler aussi la qualité de l'air through filtration. C'est quoi? C'est de filtrer l'air, parce qu'il faut quand même qu'il soit propre, il ne faut pas qu'il soit pollué, d'accord? Et réguler aussi la
La température. Donc, en fait, le conditionnement d'air, c'est pratiquement ces trois qualités. Donc, c'est réguler l'humidité, réguler la qualité de l'air pour ne pas qu'il soit pollué, et aussi, disons, contrôler aussi sa température. OK? Yes. OK? OK? Yes, monsieur, merci. Is that fine? Any question, please? Any question, please? Any question, please? There's no question, sir. All right, shall we carry on? Next, please. Who's going to read for us? Yes. To what? Can I, sir? Yes, of course. Monsieur, No, another one. No, no, another one, another one. Quelqu'un d'autre. Allez. Agad. Agad. continuer. Yes, sir. Can you read for us, please? Air Yes. conditioning. Air conditioning involves full control over the humidity within the conditioned space as well as temperature control. Right. CEVSE suggests that close control air conditioning might be defined as the control of temperature to within 1K, 1 degree Kelvin, Yes. and relative humidity to within 10%. This Within. requires a complex process of Dehumidification. dehumidification and cooling, reheating Heating and and humidification. humidification. All right, thank you very much. Okay, explain, translate to us this paragraph, please. L'air conditionné involve, c'est comme Involves, yes, full control. Donc, en fait, il doit contrôler. il doit tout Yes. contrôler. Il Voilà, mieux que pratiquement d'accord, l'humidité, OK. meeting over Yes. the curve, pas comme l'humidité, within. Donc, il doit contrôler. Regardez. Air conditioning, full control. So, that means that conditionnement Ça s'est coupé, monsieur. d'air, donc contrôle. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez Ça s'est répéter. coupé. Ça s'est coupé, monsieur. Vous entendez de toute façon. Is that fine? Do you hear me? Okay, Connexion, the question monsieur. for what? Now? Do you hear? Monsieur. Yes. Yes. On vous entend pas, monsieur. L'équipe maintenant PVC. Oui. Oh, okay. Okay. Can you hear me right now? Can you hear me, please? Do you hear me? Yeah, now yes. Okay, shall we carry on? Shall we But carry on, please? we didn't understand the Ça s'est coupé, monsieur, durant quel paragraphe? Disons, le contrôle absolu de l'espace. ما راش نسمع ماشي يعني حسبت لي بروبليم غير عندي Non, le problème en le prof. Monsieur, on n'entend rien.
كي يلحق هذا الوقت سوا سوا تبدا تروح له كونيكسيون برو. Qu'est-ce que ça dit en fait? Monsieur, vous pouvez éteindre la caméra, peut-être Ok. si ça vous plaît. Le Mais je dois écrire. Je dois écrire. Donc en fait, je dois vous montrer qu'est-ce que c'est que temps le contrôle de la température et le contrôle de. Oui, le temps que ça se que vous rétablisse. expliquez. Okay. Je vais stopper. Je vais stopper ma vidéo. Ok. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant parce que la vidéo n'y est pas? Oui. Oui, monsieur, yes. Oui, Vous m'entendez? monsieur. C'est mieux? Oui. Yes. Is any Oui. improvement? Right. Ok, je comprends. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le CBSE, c'est la réglementation anglaise, bien n'importe la réglementation, peu importe. Donc, nous avons pour avoir, si vous voulez, un contrôle, disons, des conditions dans le local, dans le conditionnement monétaire. Donc, le contrôle d'emprunt doit se faire dans le, en fait, within, c'est-à-dire dans la marge, 1 degré, K ou C. Et donc, en fait, 10% de l'humidité relative. En fait, qu'est-ce que vous avez? Si, par exemple, vous voulez, par exemple, avoir 20 degrés, vous devez avoir un local qui est, donc, la température de 20 degrés. Donc, il ne faut pas que la température, donc, dans un intervalle de 1 degré K, c'est-à-dire, il ne faut pas que la température dépasse quoi? Il ne faut pas qu'elle soit supérieure à 20,5 ou qu'il ne faut pas qu'elle soit inférieure à 19,5. Donc, vous avez 20, vers le bas, c'est 19,5 et vers le haut, c'est 20. D'accord? OK? Donc, ça, c'est la marge. Donc, c'est l'intervalle de contrôle qui est de 1 degré. Donc, il ne faut pas que la température soit supérieure, si vous voulez, à soit 21 ou peu importe, 21 ou 19. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? D'accord? Et maintenant, donc, le contrôle de l'humidité, within 10%, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que. Alors, l'humidité relative, lorsque vous écoutez la météo, qu'est-ce qu'elle vous donne? Elle vous donne la température, n'est-ce pas? Non. Elle vous donne la température. Donc, on vous dit, par exemple, aujourd'hui, il va faire, par exemple, 12 degrés. D'accord? Et l'humidité relative, on vous dit, par exemple, 60%. Le 60%, c'est l'humidité relative. D'accord? C'est relative humidity. C'est l'humidité relative. Et donc, en fait, within 10%, donc, en fait, il faut pas que ça dépasse 60 plus 10, donc, ça fait 70%, ou, donc, 60 moins 10, ça fait 50%. Ça, c'est la marge. Donc, si vous voulez, c'est l'intervalle de contrôle des paramètres, que ce soit la température ou l'humidité relative. OK? Is that fine? Shall we carry on? Shall we carry on, please? Yes. OK. Next. This requires a complex process of dehumidification and cooling, reheating and humidification. Donc, en fait, pour cela, pour contrôler la température, si vous voulez, et l'humidité relative, dans ces intervalles vraiment très, très précis, d'accord? Nous avons besoin, donc, en fait, d'un process qui est complexe de déshumidification et rafraîchissement, donc refroidissement aussi. Reheating, donc, si vous voulez, c'est, qu'est-ce que c'est reheating? Qu'est-ce que c'est reheating? C'est quoi? C'est réchauffer. C'est réchauffer et humidifier. Donc, en fait, c'est un système complexe pour avoir, si vous voulez, les conditions précises dans un local. Donc, nous avons besoin de quoi? De déshumidifier et rafraîchir et éventuellement réchauffer et humidifier. Donc, voilà pour avoir, si vous voulez, pour maintenir des conditions précises, si vous voulez, dans les locaux. Donc, voilà les conditions mondiales. Qu'est-ce qu'il provient? Bien sûr. Nous n'avons pas aussi dit donc que le conditionneur peut aussi avoir une ventilation mécanique. D'accord? OK? OK? Someone else, please. Someone else. Yes? Akhlef, Al-Khalef, Al-Khalef, Rawa. Khalef Rawia. الخلف Monsieur. الخلف Can you read for us yes please the department The department yeah communicate and local for communities right communities
and local government good local government government guide guide yeah pro the energy even improving the energy efficiency the energy events of our bonding a guide to a guide to air conditioning to unconditioning inspections inspections for buildings December 2012 that inner con con yes. des pardon monsieur parce que la lecture allez y doucement yes condition system is that defined as the is defined as defined as a combination 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 of all components components required to private a form of all components of air tremalt in which the temperature is controlled or can be low is controlled of all controlled or can be lowered and induce systems which systems includes systems which combines such a treatment with the control of vegetation humidity ventilation humidity and air and air cleanliness okay this thank you very much thank you very much Arsa. Okay la lecture bah vous avez fait de l'anglais Achraf Akhlaf pardon oui monsieur non monsieur pas problème de connexion la lecture je suis mais ah d'accord c'est catastrophe anyway, but it doesn't matter okay can you explain to us Achraf what does that mean the Department of for Communities and Local Government guide donc ça c'est oui oui Al-Khalaf, c'est pas Al-Ashraf, non. Al-Khalaf, pardon, Al-Khalaf, je suis désolée. I'm sorry for that. What? Le département of communication, local gouvernement. Ça, c'est un guide. C'est le guide du département, donc des communautés et disons les gouvernements donc locaux donc si vous voulez les préfectures etc d'accord local government ok guide oui. Alors le titre c'est quoi le titre du guide c'est quoi c'est improving the energy efficiency of our buildings c'est comment c'est améliorer improving c'est améliorer l'efficacité c'est improving the energy efficiency of our buildings yes c'est améliorer l'efficacité énergétique de nos bâtiments. C'est améliorer l'énergie donc de notre bâtiment. Oui, département, oui, monsieur. OK. Vous avez un offre, donc Guide to Air Conditioning Inspection for Building. Donc, vous avez un autre guide, d'accord, qui concerne notre offre. Quoi, c'est oui. Of our buildings, guide. Yes. C'est le contrôle donc c'est des installations donc des systèmes de construction des bâtiments d'accord oui du bâtiment décembre 2012 suggest that in air condition system on a le système Donc ce guide pour les inspections des bâtiments pour les systèmes de conditions mondiales de décembre 2012 donc suggest qu'est-ce que ça veut dire suggest
Il propose, d'accord? Propose en condition par le système en un système par des conditions il diffère de comporte et C'est pas comprendre. Donc, ce guide de décembre 2000, disons 2012 propose donc en fait que le conditionnement de l'écosystème peut être défini comme une oui combinaison de tous les concret parties, combinaison de toutes les parties oui nécessaires, required, nécessaires, OK, to provide tu for offer journey. provides offer OK, pour donner, pour avoir donc le traitement de l'air, le traitement de l'air, où la température est contrôlée, d'accord? Donc, contrôler, c'est quoi? C'est, elle peut être, si vous voulez, diminuée, donc, or can be lowered, donc, peut-être diminuée, and include systems which combine such a treatment with the control of ventilation. Donc, en fait, c'est, disons, vous avez tous ces systèmes qui peuvent avoir, si vous voulez, la combinaison, donc, of such a treatment. Donc, ce traitement d'air, donc, c'est le contrôle aussi de la ventilation, d'accord? Donc, l'air frais, et aussi l'humidité et air cleanness. Cleanliness, c'est quoi? C'est la pureté de l'air. C'est la pureté de l'air. D'accord? Cleanliness, c'est la pureté de l'air. Pour OK? les systèmes, l'humidité Voilà. de l'air. OK. OK, next, please. Next. Ok. Next. Amrani. C'est Amrani, non? Amarni, Oussama. Amarni. Personne? Faris. On est là, Faris. monsieur. Allez, Thank c'est ma you. mère. Très bien. Ouais. Vous pouvez lire, create for us this starting from this includes. Sure. This includes fixed self-contained systems such as split systems and centralized systems, mechanical ventilation systems that provide no mechanical cooling but serve spaces that are cooled by other means are included. Any components contained in the air conditioning systems that are only intended to provide heating are excluded. Thank you. It's fine. Okay. Translate to us this paragraph. This includes, yes. Yeah, fixed self-contained systems, en Yes. plus split systems and centralized systems. Stop. Okay. Qu'est-ce que vous avez compris de cette phrase? This includes fixed self-contained systems such as split systems and centralized systems. Okay. Donc en fait, les systèmes que nous pouvons considérer, c'est ce qu'on appelle self-contained systems. Donc c'est ce qu'on appelle des systèmes Yeah, individuels. they're part of the self-contained system, sir. I understand. Yes, okay. Donc c'est systèmes individuels. Donc c'est des systèmes individuels, such as tels que les split systems. D'accord? Les split systems. Donc en fait, split system, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un split system? C'est ce que vous avez, c'est ce que nous avons à la maison certainement. C'est les fameux, disons, comment dirais-je? Et éléments, donc équipements que nous installons chez ce qu'on appelle split system, d'accord? On va les voir en détail par la suite, ok? And centralized system, donc vous avez plusieurs systèmes, we have too many systems, what you call split systems, donc des systèmes séparés, d'accord? Split systems, and vous avez centralized systems, right? On va les voir en détail par la suite, ok? Then, mechanical, yes? Mechanical ventilation systems. Yes. Les fiches mechanical cooling. No, mechanical ventilation that provide no It mechanical doesn't cooling, provide. which They means that we provide have no only. mechanical cooling. They don't provide mechanical cooling. Yes, that's That's right. What we provide is fresh air. yeah. We provide only fresh air without cooling or heating. All right. Yeah. Okay, but But sir. serve spaces that are cooled by other means are included. Yes, which means that we might have any systems which cools the space, right? But you provide only mechanical ventilation that's fresh air to the space
Ordinance, which is conditioned by ordinance, all right? Any, okay, any? Any components, any components? Air conditioning systems that are only intended to provide heating. No, en français, s'il vous plaît. In French, please. We are translating from English to French, right? Yeah. That's out of my area of expertise. All right. Sir. I'll get to try. Okay. Any components containing air conditioning systems that are only intended to provide heating output, which means that we need to cool air and provide, you know, given humidity. But we don't consider systems in the air conditioning installation which provide heating, which means that nous ne considérons pas, nous ne tenons pas compte des éléments ou des équipements qui peuvent, si vous voulez, chauffer l'air. Ils sont exclus. Les éléments qui peuvent chauffer l'air sont exclus. Donc, conditionnement d'air, généralement, ce que vous avez, c'est contrôle de l'humidité, température, by cooling and humidification or déshumidification. Donc, vous pouvez déshumidifier, humidifier, changer la température, l'humidité. Et donc, les systèmes qui peuvent chauffer sont exclus. Donc, en fait, c'est des systèmes à part. Heating systems are excluded from air conditioning. All right? Process. Yeah. Oh, process. Okay. Someone to see. Okay. Okay. Carry on. Continue, please. Okay. Process. In a mechanically ventilated commercial developments, air conditioning is often provided by air handling units, yes. AHU, connected to duct work that supplies air to and extracts air from internal spaces. Alternatively, air handling units can be used to supply and extract air direct to a space. Right, okay. Stop, please. Well, it's okay. What does that mean? In mechanically ventilated commercial developments, air conditioning is often provided by air handling units. Okay. Sir, what are air handling units? Okay, I'll explain to it. I'll explain. Okay, in mechanical ventilated commercial developments, okay? Par exemple. Donc, en fait, dans les locaux commerciaux, ventilated commercial developments, donc vous avez, par exemple, si vous voulez, les locaux, vous pouvez voir ce que je dessine, d'accord? Supposons que vous avez un local, you have got a room here, right? And you want to condition it, right? We have got, it's commercial, for example, commercial development. Yeah. Donc, c'est un local à usage commercial, d'accord? Yeah. Donc, les systèmes de conditionnement d'air, d'accord, utilisent ce qu'on appelle air handling unit, ce qu'on appelle AHU, air handling unit. Air handling unit. Ça veut dire que ce sont les unités de traitement d'air. Air handling unit, c'est les unités de traitement d'air, d'accord? D'accord? Ce sont les unités de traitement d'air. Air handling unit, unité de traitement d'air. Connected to ductwork that supplies air to and extracts air from the internal spaces. Alors, ces unités de traitement d'air sont rattachées, sont connectées. What is ductwork? Ductwork? Yes? I don't know, sir. C'est les gaines. Donc, c'est les conduits métalliques, c'est les gaines, disons, pour transposer. Donc, c'est les tuyaux, c'est les gaines métalliques, que nous allons voir par la suite, that supplies air to and extract. Vous avez, par exemple, donc, ces gaines, elles soufflent de l'air, ou bien elles extraient de l'air, donc, de l'espace que vous voulez, si vous voulez, conditionner. Donc, vous avez maintenant, nous avons eu maintenant que vous avez, par exemple, le traitement de l'air. Regardez ce que nous avons. S'il vous plaît. Si je veux conditionner, donc, si je veux climatiser ou conditionner un espace, d'accord? Donc, vous avez l'espace here, room here, right? What do we need? We need what you call air handling unit, right? And this one provides the air to supply air to the room, okay? Supply air. This, what you call duct. Okay, and this, we have got fresh air here coming here, treated by the air handling unit, and this supplies here, or vous avez a ventilator to supply the air to the conditioned space, all right? And we should have also extract air, donc with a ventilator here, donc extraction, d'accord? Okay? Okay. That's fine. Any question, please? No. No, all right.
Okay. Another one, please. Another one, please. Air handling unit. Okay. Wargli, I mean, Wargli. Wargli. Oui, monsieur. Okay, pouvez lire air handling unit, starting from here. Air handling unit, typically, yes? Air handling units typically comprise an insulated box that yes. might include some or all of the following components. Yes. Filter racks or chambers, a fan or blower, yes. heating, cooling, and dehumidification, sound attenuators, and attenuators. And dampers. Yes. Air handling units that consist of only a fan and a heating or cooling element located within the space that they are serving yes. may be referred to an to as a fan coil units, FCU. Fan coil units, fan coil units. Okay, explain to us what does that mean, please. Air handling units typically comprise. Yes? Air handling units. C'est les outils de traitement d'air. C'est ce qu'on appelle les centrales de traitement d'air. D'accord? Ce qu'on appelle les centrales de traitement d'air. Donc, ici, box. OK? I'm drawing a box. OK? This is a box. This is air handling. This is a box. All right? Which might include what? Yes? Which might comprise what? An insulated box that might include some or all of the following components. On peut avoir, disons, la totalité de ce que nous allons voir, ou bien quelques-uns. Donc, filter rack, filter racks. Qu'est-ce que ça dit, filter racks? C'est des filtres. Donc, vous avez donc des éléments de filtres. Donc, vous avez déjà des filtres, d'accord, à l'entrée. Donc, si l'air rentre d'ici, donc vous avez l'air frais. Vous avez déjà filter, ok? I got filter, which means un filtre, d'accord? Or chamber, peu importe. On va voir les filtres, qu'est-ce que c'est par là. Ok? Ensuite? Ensuite? Fan. A fan, c'est un ventilateur. En fait, il est placé à la fin, donc c'est juste fan, ok? Ensuite? Oui. Heating, cooling and dehumidification. Donc, on peut avoir, donc, on peut avoir sur les systèmes ici, donc des batteries, ce qu'on appelle des batteries chaudes. D'accord? Donc, heating, OK. Cooling, donc en fait, on peut aussi des batteries. Voilà, donc des batteries chaudes ou des batteries froides que je mets avec un signe moins pour la batterie froide. D'accord? Des éléments qui refroidissent et baisser pour les éléments chauds. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? D'accord? Des humidifications. Des humidifications. Yeah. Donc, vous avez, qu'est-ce que vous avez ensuite? Vous avez des éléments. De déshumidification, ce qu'on appelle, on va voir donc des éléments de déshumidification que je note comme ça. Donc avec une rack, vous avez de l'eau ici, vous avez water, et vous pouvez par exemple augmenter ou déshumidifier pendant la suite. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Sound attenuators, ok? Oui. Qu'est-ce que c'est que les sound attenuators? Atténueurs de son. Donc c'est des atténuateurs de bruit, donc en fait ce qu'on appelle les pièges à son. Oui. D'accord. Oui. Parce que le bruit qui est émis donc par le ventilateur peut être important, donc nous avons besoin de sound attenuators, c'est des pièges à son, ce qu'on appelle des pièges à son, d'accord? Ok. Ensuite, dampers. What are dampers? Je sais pas. Registres. Donc en fait, vous avez des registres comme ça. C'est des baguettes pour vous permettre un petit peu de contrôler le débit de l'air. Dampers controls the air, the quantity of air which you should give to the space you are serving. All right? Okay? Yes. So, yeah. Okay, air handling units. Okay, carry on. Okay. Air handling units that consists of only a fan and heating or cooling elements. OK. OK. Air handling units that consists of only a fan and heating or cooling elements located within the space
They are okay. serving. Okay. Maybe refer to as a fan coil. Regardez, ce que j'ai dessiné ici, c'est ce qu'on appelle un système centralisé. Donc, nous avons besoin de système, donc une centrale de traitement d'air. Nous avons besoin, si vous voulez, de gaines, de conduits pour, disons, alimenter l'espace. Il se peut, par exemple, au lieu d'avoir, si vous voulez, toute cette installation, we have got only what we call fine fan coil units. Fine coil units, ce qu'on appelle les ventiloconvecteurs, des cassettes. C'est ce qu'on appelle des cassettes de traitement d'air. Alors, ces cassettes, vous avez le local qui ici, donc ici, ce qu'on appelle, si vous voulez, FCU, c'est Fine Coil Units. Donc, vous avez juste une batterie qui se trouve ici à l'entrée, qui est installée au milieu local, et vous avez un vent. Donc, vous avez un ventilateur et une batterie, tout simplement, pour chauffer, soit pour rafraîchir. Vous avez ce qu'on appelle Fine Coil Units. C'est Fine Coil, c'est quoi? C'est une cassette de traitement. C'est une cassette de traitement d'air, d'accord? Ou un ventilo convecteur, d'accord? Voilà. OK? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. OK. Carry on, the last sentence, and we stop. Cooling. Cooling itself can be generated. OK. Either within the unit itself. Yes. Or can be provided by connection to central chillers. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Le refroidissement peut être généré par l'unité en elle-même. À l'intérieur de l'unité, d'accord, l'unité elle-même, oui. Ou produit par des centrales de refroidissement. Bien produites par des centrales de refroidissement. Donc, chillers, c'est ce qu'on appelle les GPEG, les groupes de production de glace. D'accord, chillers, c'est les refroidisseurs. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Donc, en fait, la cassette que nous avons vue, donc, elle peut produire sa propre, si vous voulez, fraîcheur, ou bien, on peut avoir, comme vous voulez, des éléments de refroidissement qui sont, si vous voulez, installés ailleurs. Et, disons, nous avons, si vous voulez, on fait venir toute cette fraîcheur par des tuyauteries qui vont alimenter les ventilocondes. C'est clair? OK? Oui. Is that fine? OK. OK, thank you very much for today. Have good luck and see you next, inshallah.